Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce très joli porte-clés cupcake, petit cupcake kawaii. Le porte-clés avec la taille, enfin tout compris, mesure 9 cm. Il est assez facile à réaliser et il est à un niveau débutant. Alors, pour réaliser ces porte-clés, il va vous falloir donc la grille que vous allez pouvoir aller télécharger sur mon blog, des perles à ma mini, d'un petit anneau que je rajoute moi au porte-clés, à l'attache de porte-clés, parce que je trouve que ça tient un petit peu mieux. Vous pouvez coudre si vous en avez pas, mais franchement, je trouve que au bout d'un moment, ça se détache. Donc du coup, moi, je préfère remettre ce petit anneau en plus, parce que le souci, c'est que le porte-clés, là, quand on voit, c'est trop épais pour rentrer dans une perle. Donc en fait, je rajoute ce petit anneau-là. Et puis, ou si vous en avez pas, vous cousez, mais au bout de quelques temps, ça a tendance à se découdre un petit peu. Donc moi j'achète ça sur les sites de loisirs créatifs avec les petits anneaux. Tout petits. Hein, ils sont tout, c'est vraiment des tout petits ceux-là. Ils font. Je crois qu'ils sont. C'est les plus petits. 3 mm. Mais ils sont pas trop épais non plus. Donc voilà, donc il va vous falloir ça. Du fil, une aiguille. Voilà, du fil, une aiguille, et puis c'est tout. Voilà, donc on va démarrer le pas à pas. Voilà, donc vous avez téléchargé, enfin imprimé la grille. Alors là, vous allez avoir d'indiquer l'échelle de départ. L'échelle de départ, c'est la ligne où vous allez commencer votre tissage. Alors, donc là, je refais ce modèle-là. C'est l'identique de ça. Alors, donc, échelle de départ, on commence deux perles. Donc là, on va aller comme ça. Donc, les deux perles marron. Les cupcakes au chocolat. Alors, nos deux perles. Elles sont comme ça sur notre fil. Alors, on les met comme ça dans nos doigts et on va repasser dans la perle 1. Voilà. Et on revient dans la perle d'à côté. Voilà. Ce modèle-là, il est pas. Enfin, il faut maîtriser quand même. Diminution, augmentation, début de rang. Il est pas. C'est vrai que j'ai dit que c'était pour un débutant, mais il faut peut-être déjà quand même maîtriser la technique. Donc je rectifie. Faut maîtriser la technique. Alors, donc on a dit une blanche. Une blanche. On va en face. Fais attention au fil parce que ça fasse pas de nœud. On repasse dans la perle 1. Vous allez doucement. On va dans la perle 2. Dans la perle 3. Il y a des j'ai fait une vidéo leçon 1 et une vidéo leçon 2. Donc leçon 1, c'est pour vraiment débuter avec que des diminutions. La leçon 2, on apprend les augmentations. Et une leçon 3 où voilà, on mélange les deux. Donc bon, vous démarrez là ou vous reprenez les vidéos d'avant qui sont un peu plus faciles quand même. Alors,
Donc là, hop, hop, une noire. Donc, je vais à l'opposé toujours. Je repasse dans la paire d'à côté. L'échelle de départ, c'est la... C'est la... le moment le plus délicat au final. Voilà. Après, la blanche. Après, vous suivez les couleurs. Hop, face. D'accord. Voilà, donc là, ok. Donc après, il va falloir 4 marrons. Je vous remonte sur une perle et puis après, non, 3 marrons. Je vous remonte sur une perle et puis après, vous allez continuer tout seul. Alors, une marron. Donc, en face. La perle elle se met bien d'à côté, ok. Passe là. Ok. Là. Et vous revenez là. D'accord. Donc vous continuez comme ça jusque là. Et on se reprend là. Je vous montre pour une diminution. Vous êtes arrivé là, vous avez terminé votre échelle de départ. Personnellement, avant d'attaquer le deuxième rang, je fais toujours, je repasse, je reviens en arrière et je reviens là, de façon à doubler le fil. Voilà. Donc, vous êtes parti comme ça, on va revenir comme ça. Diminution de perles. On va regarder sur le diagramme, la deuxième perle doit se trouver entre la perle 2 et la perle 3 du rang précédent. 1, 2, 3. Donc on va là. D'accord ? Donc, voilà. Tire délicatement pour que ça s'emmêle. Les perles, on les positionne. Et là, on va revenir dans cette perle-là. Vous allez voir que ça va se mettre tout seul. Et on repasse dans celle-ci. On tient bien entre ses doigts pour que ça se remette, ça se mette bien droit. Voilà. Alors, un petit détail. Si dans l'eau de vos perles, vous achetez des perles à main, il se peut parfois qu'une perle soit un tout petit peu plus petite ou plus haute. Donc dans ce cas-là, vous ne les mettez pas. On regarde, parce que sinon ça va faire des petites lignes comme ça. Moi, ça m'est arrivé comme là, bon, ça va peut-être le faire, ça va se mettre avec l'autre. Mais quand il y a vraiment trop d'écart, ça m'arrive, je ne les mets pas. Donc, alors, les deux paires. Donc voilà, là vous avez fait votre diminution. Donc on va continuer. Après, une blanche. Donc, là maintenant, vous allez faire toujours pareil. Voilà, on repasse dans la pelle, une deuxième blanche, repasse dans la pelle. Après, 4 marrons. Donc là, voilà. Et là vous allez aller comme ça jusque là, et là on se je vous reprends et je vous montre une augmentation début de rang, augmentation fin de rang. Vous êtes arrivé ici,
va falloir augmenter. Comme pour l'échelle de départ, je reviens toujours. Quand j'ai une augmentation, je fais toujours ça pour avoir deux fils ici. Sinon, ça ne tient pas. Donc, augmentation, diminution, début de rang, que ce soit augmentation, diminution, deux perles. Là, on voit que la perle 2 doit se trouver entre la 1 et la 2 du rang précédent. Donc, la 1 et la 2, c'est là. Donc, ici, augmentation, c'est là. Donc là, voilà, vous avez fait une augmentation de une perle. Parfois, c'est de l'augmentation de plusieurs perles. D'accord ? Voilà. Donc après, vous allez continuer de la même façon sur la suite du rang. Une perle. Voilà. Là, j'ai mis du vert. Après, vous mettez les petits grains, les petites couleurs que vous voulez, en fait. Vert. Donc, vert. Donc, vous continuez comme ça. Hop. Jusqu'au bout. De marron. Suivez votre schéma. Donc, vous allez comme ça. Comme ça, comme ça. Donc, vous continuez, on se retrouve à la fin, je vous montre une augmentation fin de rang. Voilà, donc vous êtes à cette perle-là. D'accord ? Et là, du coup, vous voyez, vous avez une autre marron. Et là, vous n'avez plus de perles. Hein. Donc, l'augmentation fin de rang. En fait, votre perle, elle se trouve entre la perle. Si on regarde le schéma, celle-ci est surtout entre la 1 et la 2 du rang précédent. Entre la 1 et la 2, ce qui fait là. En fait, vous repassez sous le même petit pont que la celle d'avant. Donc, et on essaye de bien la placer et vous repassez, voilà, comme pour les à chaque fois, et voilà. D'accord ? Donc, moi, je reviens là, pour qu'on s'y vide un petit peu. Voilà. Donc, là, vous êtes là, et maintenant, donc vous allez comme ça, donc diminution, donc on repart avec deux perles. Marron. Comme ça. Donc, diminution, on se retrouve là. Voilà. D'accord ? Donc, vous continuez là. Et là, à la fin de ce tour-là, la fin de ce rang-là, on va se retrouver pour, je vous explique, une diminution de deux perles ici. D'accord. Donc vous finissez votre rang et on se retrouve à la fin de ce rang là. Je vous explique une diminution de deux perles. Vous êtes arrivé là. Dans cette perle, vous êtes ici, à cette perle là. Et là, pour pouvoir diminuer de deux, il va falloir ressortir à cette perle là. Alors, pour pouvoir ressortir à cette perle-là, parce que là, on n'est pas dans le bon sens. Donc, on va aller dans la perle d'à côté. Celle dans une du rang précédent. Vous faites des petites allées-venues. On repasse là. Et on repasse là. Et là, vous êtes bien dans le bon sens pour continuer. Donc, diminution de deux perles. En fait, c'est pareil, sauf qu'il faut sortir à la bonne perle. Et là, vous allez devoir vous retrouver entre la 1, 2, 3, entre la 3 et la 4 du rang de ce rang-là. 1, 2, 3. Donc, entre la perle 3 et la perle 4. Voilà. Et là, vous avez fait une diminution de deux perles. Vous auriez fait trois perles, ben, au lieu de sortir là, il fallait sortir là. Il faut surtout bien lire le schéma.
D'accord. Donc, vous continuez comme ça. Là, pareil, vous allez avoir une diminution de 2 perles. Donc, il va falloir ressortir à cette perle-là. Donc, vous faites des petites allées et venues et vous ressortez là. Là, pareil. Vous allez être là, mais il faudra ressortir là. Donc, voilà. Donc, vous sortez là et diminution. Là, une diminution toute simple. Et on se retrouve ici et je vous montre pour la fin, qui en l'occurrence, j'ai voulu faire une petite bougie. D'accord ? Donc, vous continuez, on se retrouve ici et je vous montre pour la fin. Voilà, donc vous êtes arrivé ici. D'accord ? Alors, il vous reste à mettre la petite bougie. D'accord ? Donc, vous voyez qu'au final, là, on ne peut plus mettre de perles debout. Hein ? Donc, on va mettre la perle dans l'autre sens. Voilà. D'accord ? Et pour pouvoir rajouter des petites perles, vous allez travailler comme pour une échelle de départ. D'accord ? Donc, voilà. Comme si vous montiez ce qu'on a vu tout à l'heure, la petite échelle de départ. Sauf que là, bon, vous n'allez pas tant faire d'aller-retour que ça. Vous montez votre petite échelle et puis vous voyez comment ça se comporte au niveau rigidité. Parce que là, c'est différent, vous n'avez rien besoin d'attacher. Hop, petite bougie. Voilà. Donc après, vous redescendez. Je dirais que c'est plus... voilà. C'est plus là qu'il faut repasser un petit peu. Pour que ça... Mais ça tient bien. De toute façon, voilà, parce que là, au final... Voilà. Alors, on cache son fil, on fait des petites allées venues. Hop. Voilà comment on cache le fil. Voilà. Donc, là, on va monter tout de suite le petit porte-clés comme on a terminé cette partie-là. Alors, le petit anneau. Donc, on l'ouvre. On le passe dans la petite perle. Vous montez. Alors, les anneaux, quelquefois, quand on les achète, ils sont pas toujours bien serrés. Voilà. Donc, vous le mettez là. D'accord. Et ensuite, on referme le petit anneau. Voilà. Et après, moi, je retourne. Voilà. Comme ça, c'est dans la perle. Voilà. Alors, maintenant, donc, le fil qui traîne, là, c'est pareil. C'est le fil du départ. On va le camoufler en faisant des petites allées et venues. Ça consolide un petit peu. Voilà. Normalement, quand on tisse un beau tissage textiche bien serré, on voit pas les fils. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, donc là vous avez fait ça, d'accord? Et bien, vous allez continuer. On va redémarrer et là c'est que des diminutions toutes simples. Donc vous reprenez du fil,
vous montrer. Peut-être que vous, vous en avez assez pour continuer. Voilà, on va prendre à peu près ça. Parce qu'au final, il ne reste pas beaucoup de rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, de toute façon, à chaque fois, quand vous coupez votre fil, quand vous n'en avez pas assez et que vous redémarrez, à chaque fois, il faut redémarrer pareil. Donc là, il va falloir ressortir là. Donc, moi, je repars toujours un petit peu le rang précédent. Et je fais toujours un petit zigzag. Enfin, ouais. De toute façon à ce que le fil se tienne. Il faut maintenir ce fil là. Par là. Ça. Hop. Voilà. Donc là, vous redémarrez en faisant. Vous redémarrez en faisant bien attention à vos couleurs. Et puis donc il n'y a pas de difficulté. Et on se retrouve tout à la fin. Voilà, bon, j'espère que ce tutoriel de petit cupcake kawaii vous aura plu. Surtout si vous avez aimé, activez le petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt sur les loisirs de Rachel et surtout, bonne création !